Majina naitwa Ajda Shefu Mjomiza Chance, nikiwa mkaji wa Kibarizo. Papa naitwa Mtariani. Nilikuwa shishituka, ninafika M23 ilinisensibilize, wakitukamatia moto. Nilikuwa kichanga, wakitukamatia moto paka Goma, apre Goma tukenda Ruchuru. Apre Ruchuru tukituka Ruchuru tukenda Chanzu. Chanzu tukejifunza, baada ya miezi sita njoo tukitoka pale. Baada ya miezi sita tukitoka pale tukaenda mkazi. Chakula yenye mlikuwa mnakula ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa inatoka sietu, chakula yenye tulikuwa nakula ilikuwa inatoka Ruchuru, ni Mungu Rezi nyewe alikuwa anatuzi. Sasa zile wale ba soda wa Rwanda njoo wenyewe walikuwa nakula mchere, kaunga na masardini. Silaha ambazo waliwapatia mnapomaliza mafunzo zilitoka wapi? Zilikuwa natoka Rwanda. Kwa nini silaha ambazo mnazo zinafutiwa manamba? Ile sezi yu. Walimu ambao waliwafundisha mafunzo ni wainchi gani? Ambao walikuwa natoka Rwanda na wengine Uganda. Kulikuwa na wengine mwalimu mmoja walikuwa mwenyewe alikuwa natoka Tanzania. Wanafunzi wanakosa ambao mlisoma nao mafunzo, mlikuwa wangapi? Sisi tulikuwa wengi sana, tulikuwa 350. Walikuwa wanatoka wapi wale wanafunzi? Walikuwa wanatoka Mkongo huku, na wengine walikuwa wanatoka Rwanda, na wengine walikuwa wanatoka Uganda. Wakutoka Uganda walikuwa wanatoka Uganda wapi? Walikuwa wanatoka Uganda Chaka, Mukaya Chaka A na Chaka D. Sasa wakati unatoka kwa M23, nia yako ni gani? Nia yangu ni kusaidia wandugu zangu na kupiga adui anarudia kwao. Adui ni nani sasa kwa sasa? Adui ni M23. Na nani? Elamu lisusu kolanda Congo Live Television na ba place nyoso la ba esika nyoso bozali. Tulobi matondo pe boye elamu kolanda nouveau décryptage na biso ya lundi déjà nouveau debi ou on peut dire début de la semaine, c'est-à-dire nouveau numéro ya biso ya lelo. Boye elamu na ba place nyoso bozali bozolanda Congo Live Television oyo bopona kolanda. Tolobi merci tomatondo mingi toza en direct de la ville de Goma à l'est de la République, place oyo toza la kapona kopesa bino ba sango songolo ya makambo oyo ezole kanakati ya mboka na biso. Toza na ba makambo ebele oyo tokobete la sango lelo. Toza na ba sango ebele oyo tokopesa bino lelo, c'est-à-dire tozana basango oyo ya malamu to basango oyo ya kitoko oyo toko yebisa bino lelo. Donc installez-vous déjà confortablement de partout où vous vous trouvez sur Congo Live Television. Tozali awa pona ko édifier bino le dames et messieurs. Pour commencer, je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation oyo aza chargé komemelayo au quotidien ba information oyo ya moto à l'est de la République. Donc mutu oyo monaka tous les jours oyo aza chargé ko bendelayo makambo to ko beta ba sango na biso ya lelo. Liskolo ya ba sango ebele, c'est-à-dire dans les territoires de Masisi, ya poursuite des affrontements lobby ngame inazala ki na territoire à Masisi. J'ai observé tout ce qui s'est passé na monaki nyoso elekaki différemment na lokuta oyo ezoleka na la sur la toile ya Kolobakeno. Makambo eza na ngondenge ezali munguna a okipe territoire ya Masisi nyoso po boyokaki keno ba installaki M23 etiaki mutu na kati ya cité ya Sake. Yango munguna azokosa baninga mususu Kolobakeno ye mutu afandeli territoire ya Masisi. C'est quoi la vraie version autour de cela? Sango oyo eza ya kitoko, sango oyo ya malamu, vraie version, vérité ya makambo eza nango ndenge nini? Bozolanda biso boza na Guinée, bozolanda biso boza na Paris, bozolanda biso boza na Washington, Namibie, Royaume-Uni, de partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Tchopo, Tchouapa, Congo Central, Lualaba, bozolanda biso. C'est quoi la vérité autour de la situation sécuritaire à l'est de la République? Je suis journaliste d'investigation. Je suis investigation. Je suis un investigateur. Est-ce que vous avez présenté Banamboka? Est-ce que ça est vrai?
Vous savez, l'ennemi est en train d'utiliser de certaines personnes dans l'anonymat afin de détruire la morale et Abana Mboka. Ce qui est même regrettable. Yabana Mboka, Mzou Bazana Kati Mboka, mais Baebi Ata Sangoya Makambote. Il y a des Congolais qui vivaient, bazo vivre bourgeoisie, l'État obiso tozan en étape à guerre. Bango bazo vivre nde bourgeoisie. Pourtant, ce n'est pas le temps. Il y a d'autres qui ne sont même pas informés sur la situation à l'est de la République. D'autres se préoccupent plus. Matondo mingi na baye bino bozo landa chaque jour situation. Bozo lande la chaque jour situation à l'est de la République. Je l'ai toujours dit. Oeza mboka na biso. Je l'ai toujours dit. Oeza kiteni ya mboka na biso. Est eza kiteni ya Congo. Ceux qui va balkaniser yango. Mboka ekei. Ceux qui va kati yango. Mboka ekei. Qu'est-ce qu'on aura bénéficié? C'est-à-dire, on a le plein droit de se battre à fond. On a le plein droit de se mobiliser à fond. Nenge salemaki na Belgique. Nenge salemaki na États-Unis. Nenge salemaki na Canada. Il y a deux bandes qu'on a biso bazakuna ba telemi. Balobi na bango keno soki liwa ba kokufa. Ils sont mobilisés, nous vous disons félicitations. Bravo pour ça. C'est un geste patriotique. Moi, je vous dis vrai, lobinga na zaki na wazalendo. Vous n'avez pas idée boni a geste na bino bosala ki kuna na poto. O ba geste bosala kuna na poto ya kusala ba marche. Vous n'avez pas idée comment est-ce qu'ils ont motivé bazalendo. Vous allez voir ça. Boni moko azolo ba keno, vraiment c'est parmi les choses aussi où ils ont motivé bango. Nous comprenons que za bazalendo mais o ba vandi libanda mboka. Yango wana masolo. Tout le monde la situation est belle, na mboka na ndenge na tiki web sabino que non lobi na zaki na bitumba na ebi ya makambo et salemaki. Je vais vous citer ici ba colline o ezaki récupéré par le terroriste DM23 présentement eza déjà na maboko ya FRDC na wazalendo. Les wazalendo ont fait un travail tellement magnifique lobi wana. Les FRDC ont fait un travail tellement excellent, Lobiwana. Et puis, ba rekonkiraki, ba mboka moko moko, ba ngomba moko moko, o munguna azaki nango déjà. Méfiez-vous de cette petite information. Moi, j'appelle ça petite information. Méfiez-vous de cela. Oyo, ezo le kakeno, M23, ezo installé, continue installation, ba tuna bango na kati ya mboka. Méfiez-vous de cela. On va en parler tout autour de cette émission. Je ne peux même pas me focaliser trop sur ça parce que c'est le comment que ça n'atteint dans ma capacité. Parce que nous savons, bazawana, batiye mutuana, mais n'importe quoi, bakobima. Sachez bien, même qui tient au bazo sur la biseau, ba baise dans les réseaux sociaux. Même qui tient au bazo sur la biseau, ma quelle est dans les réseaux sociaux? Que nous ba installer mutuana, ba installer mutuana, ba occuper, ba installer, ba occuper. Quelle est la population qui vit là-bas? C'est la population congolaise. Force ni neza wana, eza M23 kite ni moko, na kite ni moko FRDC. Parce qu'il faut aussi vous dire vrai, tout Kitianga n'est pas dans les mains de M23. Kitianga wana, je voulais un peu revenir en arrière. Kitianga wana, Kitianga, même si t'es à Kitianga wana. C'était lors, ya ta ki oba beta ki bango, ne bakufa ki. Même da Kitianga toujours wana. Y a eu des bombardements à FRDC. Ils ont perdu un homme chargé à finance. Na moko chargé à l'enseignement. Bah, les là qui hein? Ils ont pleuré. Les loba yé, ils sont installés base. Bah, koyeba. Si ils sont des hommes, bah, qui m'en a kati à population T. Je l'ai dit ici. Je pèse mes mots. Si ils sont des hommes, M23, qui ne fouillent pas dans les maisons des civils lorsqu'il y a des offensives. Parce que bino bofandi na poto, bah, yé bino botiaka ba commentaire ya kouisan koyeba li kambonenge zali. Lors des affrontements, les M23 fouillent dans les maisons des civils. Bakimi bami bombi na bandako ba civil nenge zanaka. Et puis il y a d'autres civils au bazo faciliter biso tâche té ko bomba ka ba ennemi bo ezana ngo bien té. La victoire de Wazalendo après des rides d'affrontement pendant la journée de ce dimanche 25 février 2024, ce soir nos sources nous renseignent dans le village de Chacha affirme quelques avancées significatives. Les jeunes résistants Wazalendo occupent une partie de la colline de Ndumba. De plus, les patriotes résistants ont franchi les ponts Mwea en direction de Kituva. Également, les Wazalendo ont dépassé les ponts Renga
jusqu'à prendre le contrôle du quartier Renga. Il lui reste à savoir les Wazalendo et les FRDC vont consolider les acquis de la journée jusqu'à quand. Avant de parler de cette situation, il y a Ndenge Makambo Sengele Leka, Erbazuiba localité, Erbazuiba Ngomba, parce qu'on a aussi dit que nous devons le dire ici. Il faut bakonzi ambo kabayo kama kambwango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, mon vidéo est botiki comme on a wana avant que l'émission est bas. Émission ya mutuana a zoami na Wazalendo M23 wana. Na chargeur na mandu kine wana na kati wana chargeur ezate. Donc ba chargeur ezana kati te. So déjà qui ont été rattrapés lobby wana ba zoama ki lobby dans les affrontements ya lobby. D'autres ont été capturés vivants. On était là. D'autres ont été capturés vivants. Yangwana bazo expliqué boni bakotaka banani bapuyaka bango ba instructeur na bango bazaka banani boni makambo eleka. Les Wazalendo sont en train de faire un travail tellement excellent. Accompagné par certains FRDC au baza ba traître de pour nakati na bango pe ba traître bazali. Skolobi wana nakati ya axe ya chacha. Chacha boyoka ki ke non M23 se vandeli mboka. C'est vrai. Tout chacha a été occupé par le M23. Mais lobby chacha ezala ki libéré totalement na maboko ya batwana. C'est-à-dire ero tozolo ba basi ba kimisi bango na bangomba. Chacha pourquoi est-ce qu'il s'est concentré à chacha? Il s'est concentré à chacha parce que chacha ezanzela oyo facilité tâche ko bimela Minova. Ça qui est pour comme Goma, pour biloko nyonso baliaka na Goma, à majorité bimaka Minova. Parce que si bloc cherche directement, les gens seront bloqués parce qu'avant comme kuna na Minova, il faut comme na cherche. Parce que ba bloquer nzela oza avant Minova. Omoni? Parce que lobby wana, les Wazalendo ont été déterminés, lobby balamuka kizaki ba vers ba 5h30 pour ba lobby le lobby tumba batu il faut ba bimalamboka wana. Et puis ba bimaki les lots déjà, il y a des mamans très tôt matin, où tu observes qui bango baba, mati déjà va mettre tout kabaké, kuna koluka, et loko où tu bako somba pour eba même à Goma pour éviter la ville de Goma. Voilà donc, boni, bazalendo ango bazo salam sala. Voilà donc, ba FRDC, où baza déterminé, baza na katia bitumba, bazo sala musala yango. Dans les alentours de la cité de Sake, les jeunes résistants ont repoussé plus loin les tentatives de débordement de M23 RDF, bien que les lignes n'est pas visibles, eux ne bougent pas jusqu'à présent. C'est-à-dire, les M23 ont voulu encore une fois déborder. Les M23 baluka ki na bango encore une fois bakota na kati ya masolo. Bakota na kati ya cité à Sake. On ne sait pas de là où ils viennent. Pourtant, Banzela nous faisait à Kokangama na FRDC. Mais, Bozoka ke, Babimeli côté Fulani. Il ne sont pas stable. Baza stabilité. Bazo fan de Sika mon côté. Mais, Bamanevre nous so bazo sala, FRDC, zo défié ango. Tout ce que ces gens sont en train de faire, tout, je dis bien ici tout. Na semaine, on tiki goleka, Bayaka ke na bango vers 22h. Koye ba keno ba kokuta déjà FRDC balali. Malheureusement, FRDC la lakate. Malheureusement, na kote na bango bakuta ki FRDC zana nou miso nge. Balalite. Yango, les affrontements ont débuté na boutou ya vendredi ou eski koleka. Ba beta na ki sérieusement pe boutou. C'est-à-dire, manevre nyoso M23 ezo tik, emeka ko sala. FRDC ezo defye yango pe beti bango. Botika ka kufinga FRDC. Laissez les commentaires que vous faites. Soutenez FRDC. Papa, il n'y a pas deux armées. Il y a Kamoko. Peut-être yozolo kilango musika. Vous ne vivez pas la guerre. Les gens qui vivent la guerre connaissent la réalité de la guerre. Biso toko makana bitumba to yebi. Réalité des choses boni et les kaka. Les FRDC se donnent à fond. Les Wazalendo se donnent jusqu'au prix de leur vie. Il faut les encourager parce que yo moko ataba ebisho na ba peso manduki okende na front bete na likolo a patrie okolonga te. Alors laissez ces commentaires, faites que les encourager. Si vous les encouragez, vous êtes en train de nous suivre. Pourquoi ne pas les poster déjà dans votre commentaire? Si vous soutenez bien les Wazalendo, vous soutenez bien les FRDC qui sont en train de se battre sur le front ici,
Il y en a, banamboko, bazo koufao. Vous pouvez déjà le faire dans les commentaires. C'est pas aussi mauvais que ça. Nengene pisa ki bino keno, balobi na bango keno, oye ba diaspora bazo sala. Koti nela kabango kamoua eloko, hein, kosala ba manifestation, parler toujours haut, hausser toujours le ton. Ils ont motivé bango. C'est parmi aussi les choses qui les motivent à aller plus loin, à avancer plus loin. Parce que bango balobi, il ne faut pas laisser jusqu'à ce qu'il faut se rassurer que Munguna a abimine bakotika. Le cas contraire, donc, Eza Bitumba, na Bitumba. Alors, en quelque sorte, voici les collines stratégiques libérées ce dimanche dans les médias terroristes du M23. C'est-à-dire, voici les collines stratégiques récupérées par les jeunes résistants Wazalendo dans les mains du M23. Sur l'axe Ngungu, Karuba, Minova et Sake. Voici alors la liste des collines Oyo Balibera qui lobby, c'est-à-dire lobby na espace Oyo Babetana qui kobanda 5h jusqu'à 19h. Kobanda 5h à lobby jusqu'à 19h à lobby. Yoka ba colline Oyo ba M23 bazaki basi ba Vandeli. Mais mapinga ma ekolo na Wazalendo basala ki musala ya ko déloger bango na kati ya bangomba wana. Déjà, si vous les soutenez, je dis bien, affichez dans les commentaires, mais également nous qui nous sacrifions, qui donnons, même nous, vina biso potoko makuna tomi la bino basango, oh ya moto moto, oh ya eza ya bosolo, ya lokuta te. Raison pour laquelle tozawana, parce que nous tous, nous devons nous faciliter la tâche, mwoko na moninga. Voilà donc Bangomba Oyo Bango ba récupéré. Il y a plus de 7 Ngomba dans 7 villages différents. Ils ont vraiment avancé. Vraiment avancé. Sur l'axe Ngungu, Karuba, Minova et Sake, c'est-à-dire les chaînes wana ya approvisionnement pour biloko ko mala goma. Wana des chaînes wana ezalaka. Eza ba village donc Ngungu eza village moko, Karuba eza mosusu, Minova eza mosusu et Sak. Ce sont des cités qui se suivent. Omoni, wana nde boyesene ezali po biloko ekoma na goma. Ndenge boyesene wana ezalaka. C'est-à-dire ceux qui moko ya sene wana eza bloqué par les rebelles à Goma, on aura très du mal à trouver même à manger. Des denrées alimentaires koyate. Ce que nzela wana ba libéré yango, ce que yoka ba village boni na nzela wana na ba cité wana, 4 cités et des villages qui ont été libérés. Ce que yoka ba kombo ya ba village wana. Ici, il s'agit de Nyenyeri, Maivuno, Rukika, ferme de Kasuku, Kagano, Ndumba, Munanira, Kiluku, wana nde ba Ngomba Oyo ezwama kilobieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Ngomba da 4 cités. Donc 4 cités ont été libérées. Ça, je vous dis vrai. Moi, personnellement, j'y étais. Moi, personnellement, j'étais là. Nga moko nazala kiwana. Donc, ce n'est pas une chose qui non, baye bisa kingai. Non, nga moko nazala ki sur le terrain. J'ai palpé la vérité. Je suis parti. Natambola ki na 4 villages. Nyo soana botala ba vidéo yango makambo. Boni ezali. Boni ba libéré déjà. 4 villages Joana déjà libérés. Au-delà de ça, il y a 9 collines. 9 Ngomba. Oyo Baliberaki Lobiwana Namaboko ya M23. Donc, les jeunes résistants patriotes Wazalendo méritent les acclamations. Les jeunes résistants patriotes Wazalendo et les FRDC qui sont en train de mourir sur le front, qui se donnent au prix suprême. Au prix de leur vie, afin de voir si Munguna Kokima, il mérite ces gens être félicités. Mais également, pour cela maintenant, le gouvernement congolais ou l'État congolais devrait aider à bien gérer l'espace wana batuana bazui. Parce qu'il y a toujours de ces choses qui arrivent. Lobby Boyoki Kenon, donc Isalaka toujours Kenon, Boyoki, les Wazalendo ont fait un brave travail. Ont I des espaces. Babeta ki munguna. Parce que le M23 lobby bakufa ki lokola banzinzi. Bakufa ki lokola banyama. Bakufa ki ebele. Ce qu'on a ba village oyo, ba Wazalendo bazwaki, il faut que le gouvernement mette tout
cette disponibilité et tia biloko nyoso na kati po M23 ezongela mboka wana lisusu te. Bakonzio bazolanda ngai, je crois bazoyoka. Monsieur le président de la République, ba place oyo bazalendo bazozua lors des affrontements bango na M23, ba place oyo FRDC ezozua lors ya ba affrontements bango bazo opposer na kati na bango, mokonzi s'il vous plaît. Sala nyoso pour que bamboka wana ekende lisusu te. C'est ça notre force. C'est ça force na biso. So ba ke o bimbisa bango malembe 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 boe et puis on récupère ba cité wana et puis qu'il ne soit plus capable ko zonga na ba cité wana, ça va nous faciliter la tâche et comme ça nous allons avancer. Politique na kati ya makambo batika. Makambo yango esengeli biso nyoso mobilisation. Il y a des gens qui ne nous facilitent pas la tâche. Toza na état de guerre. Nous sommes dans l'état de guerre. Tozo sa la bitumba. La situation est tellement critique. Mais il y a des gens qui ne nous facilitent pas la tâche. Il y a des jeunes Congolais qui ne nous facilitent pas la tâche. Qui ne sont même pas informés sur la situation qui se passe à l'est de la République. Ça, c'est très honteux. Ezablo Kumongwa Sony. Il y a de ces stars-là qui ne nous facilitent pas la tâche. Toza na bitumba. Il est temps. Chacun na niveau na et chacun na domaine na et chacun na nyoso asalaka. Être mobilisé. Bozo mona te batyo bazana diaspora, comment ils sont mobilisés pour faire les choses? A combien plus fort tes réseaux biso tous en kati amboka? C'est-à-dire mutuna niveau na ye et sengel toza la mobiliser pour que tout mona boni bitume aussi là à l'est de la République. Quittez vos distractions. Bon tika koningisa baloketo toza na kati ya bitumba. On est en train de faire la guerre. On est dans l'état de guerre. Ce n'est pas l'état de distraction. Les jeunes ont bâti la langue journée mobimba. Les jeunes là qui fait que c'est saoulé toute la journée. On est dans l'état de guerre. Il est temps de vous concentrer. Ce qui m'a comme balkanisé, c'est fini. Ce qui m'a katani, c'est fini. Nous devons nous donner à fond, chacun à son niveau, chacun à ranae, pour tout le monde. Boni makambo kokenda. Voilà donc ma situation où les kanakati à Mboka na biso. Et ça, information oyo, nazaki nango pona yo lelo. Lobi si nzambe a lingi li susu po awa ça va déjà. Boyo kaki na manifestation, le kaki et le kaki na semaine kuna ki avait un peu de malaise. Nzo te zaki nango bien te, mais awa déjà ça va. Nzambe a zo sunga déjà. Donc si aujourd'hui aussi possible, nous allons aussi nous rendre également dans le Massissi toujours pour voir la continuité des affrontements. Est-ce que les lobes continuent? Est-ce que les lobes ont dengenini? Makambo ekei nango dengenini et comme les wapi. Donc c'est surtout ça que nous devons avoir comme idée. Chaque fois nous devons être toujours connectés sur Congo Live Télévision. A besoin même yo lingo zwangai pose wa ba information de la même yawa oko bengangai na kope sa contact nangai. Voilà donc ba situation oizo le kanakati amboka na biso. Mais avant de finir, je vais un peu marteler sur une chose que Tozolo Bela depuis un certain temps, c'est-à-dire Tozolo Benga Batuna Kosunga va déplacer de guerre. Baye oye bazo sala vraiment Tolobi Matondo Mingi. Baye oye bazo tina quelque chose pour te visiter Bandeko na biso Tolobi. Merci Matondo Mingi. Na bayo oye bazana katia poto, bazana katia mboka, bazana de partout bazo tina kamwa contribution na bango. Vraiment Tolobi Matondo Mingi. Les jeunes, les gens, les familles qui vivent dans des camps de déplacés sont nos frères, sont nos mamans, sont nos sœurs. Nous devons être tous mobilisés à les aider. Ozana elambo yola takate mema yango. Ozana 10 dollars, 20 dollars, 1 dollar, n'importe quoi. Mema yango to kende ko visiter bango. Mema yango bazo vivre na ba condition moko oyo ezo simbate. Bazo vivre na ba condition oyo ezo simbate. N'importe quoi. Vous avez quelque chose, o ekosunga, mema yango et puis ekosunga. Za musika tinda ekosunga. Nous on est là, on est sur le terrain. Nous sommes en train de vivre la vérité des choses. Voilà donc, eloko ezaki prévu pour nalelo. Comme je l'ai annoncé au départ, je suis Youssoufou Kibingila David, naza journaliste d'investigation basé à l'est de la République, c'est-à-dire à déjà en zone bilo en direct de la ville de Goma à l'est de la RDC. Je suis joignable au plus 243 9 93 46 71 93 ans à bas lisungi aux ans à bas suggestion au lingio yeba ba bosolo yamasolo au isolé kakotoyo au co contacter bisona numéro 1.
Bon début de la semaine, c'est la fin de cette émission sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci, notre plaisir est tellement grand de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. N'hésitez pas surtout de commenter, ne passez sans liker, ne passez pas sans commenter. Encouragez-nous également dans tout ce que nous sommes en train de faire parce que nous nous donnons à fond pour que cela soit réalisé. Bon début de la semaine encore une fois de plus. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Et à la prochaine pour un nouveau numéro, c'est-à-dire Lobby. Tokoyo Kanalisusu Nazogoumeme Labino Basango Oyo et Zoleka na l'Est Yamboka. Merci les dames et messieurs et à la prochaine pour un nouveau décryptage.